Concernant la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, j'ai été nommé vice-président depuis 2015 lors de l'Assemblée générale. Et par soutien à mes collègues et à la demande des membres du bureau exécutif, j'ai accepté le poste de président par intérim étant donné que je suis basé à Tunis. Alors, je me permets de vous présenter les membres qui sont là. Madame Chadley Amajri, restaurant à la Renaissance Fax, un monument de la restauration, père en fils. Sermar Azokar, c'est un monument de la restauration, premier membre chevalier de la chaîne des rôtisseurs en Tunisie. Il a travaillé dans plusieurs restaurants, hôtels. Maintenant, il a deux restaurants dans le Franco Hammamet, connu par tout le monde. Monsieur Félix Achour, qui s'excuse à le restaurant Achour. Sinejib Touhemi, restaurant Cap Azur, Fulmeresga. Il a eu l'honneur d'avoir le label Meldait. Donc, c'est un restaurant labellisé. Monsieur Karim Ben Nasser. On peut pas passer à Kalibia sans passer par le Mansour. Et en été, il faut réserver le lundi pour être reçu le samedi. Oh. C'est Riyad Boussana, restaurant d'Astragal. Ils sont pas très nombreux à être trois fourchettes de luxe. Vous êtes 4 ou 5, je crois, sur Tunis. Oui, à peu près. Oui. Alors, formation école hôtelière en France, je crois. Oui, Vatel, Lyon. Si Islim El Wachi, on ne peut pas passer pour le Tanta ou les Kanmanchiouch de Méditerranée. Donc c'est une ville exceptionnelle, toujours bien rénovée, et on mange très bien, je peux vous l'assurer. Sénis Hamad, restaurant Golf Brau et le fameux QG, Fissous, c'est un monument de la restauration. Donc vous avez devant vous. Vous avez devant vous le bon gratin des restaurateurs. Qui constitue le bureau exécutif de la fédération. On va essayer d'être le plus bref possible. Donc, je vous remercie encore une fois de nous avoir donné de votre temps et d'être un être culte. Et je vous annonce officiellement que je ne me présenterai pas à la présidence de la fédération lors des prochaines élections, étant donné que j'ai beaucoup d'occupations à l'Académie nationale. Par contre, je serai un des membres actifs du bureau et je ferai tout pour soutenir cette fédération. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'hôtel Le Pacha et à leur tête, Simouaz Boudel, qui nous offre gracieusement cette salle et la pause café et son restaurant le 7e, dans lequel le Baroque Traiteur va vous offrir le buffet post-conférence. Voilà, je préfère qu'ils rediffusent l'information pour pouvoir faire un brainstorming et regrouper toutes les informations. On ne pourra pas prendre de bonnes décisions. C'est ça le rôle que je vais avoir, c'est d'être le coordinateur en attendant la prochaine Assemblée générale. Vous avez une date là-bas? Pas encore, pourquoi on a programmé aujourd'hui? Parce qu'on pensait que le vendredi dernier, le jugement allait être. Donc lui, ce qu'il a fait, comme il nous a précédé, il a rajouté deux autres avocats, et ils ont reporté pour aujourd'hui, mais théoriquement, on aurait dû avoir le jugement vendredi. Dans tous les cas de figure, on allait prendre une décision. Donc pour vous, maintenant, cette équipe-là, c'est les messieurs propres de la Fédération tunisienne, moi, je vous connais aussi, et je connais votre intégrité, votre professionnalisme, etc. Donc vous êtes entouré d'une équipe qui...